le derby, l'année où on remonte, vous savez qu'on avait fini le match à 12 contre 15 ou quelque chose comme ça, où c'est qu'on a eu beaucoup de blessés et il y a eu un ou deux cartons aussi. Donc c'était le plus beau parce que c'est celui qui nous a permis de se maintenir et qui était gagné. Un beau derby, c'est un derby gagné. Un match à Brive, je me souviens, si je me souviens bien, c'était Alain Yardet qui entraînait à cette époque. Et en fait, c'était un match un peu coup près comme l'importance de ce week-end là. Il avait un peu tapissé dans tout le vestiaire les images du stade Marcel Michelin. Et sur le coup d'envoi, on reçoit le coup d'envoi et là il y a Jérôme Beauvoisin qui saute pour attraper le ballon. Et là il y a Cédric Soulette qui craque et l'arrive et bah, deux minutes de temps, même pas deux secondes de temps de jeu. Une grande claque dans la gueule de Jérôme Voisin. Carton jaune, et on a réussi à gagner là-bas. Il y en a eu beaucoup. Même si la rivalité se faisait plus dans les tribunes que sur le terrain, deux, trois fois, c'est vrai qu'on a eu des belles parties de manivelle entre nous. Ben, c'est le même derby, puisque on avait eu, je crois, 6 blessés. Moi, j'étais sorti sur KO, j'étais revenu. Clairement aussi, il y avait pas mal de blessés. Où c'est que c'était un match très engagé, et, assez correct, mais très engagé. Cudmore reste un des plus beaux souvenirs parce que c'était un joueur très dur et très âpre. Et on savait que dans les derbys, il était là et il faisait respecter l'équipe de Clermont. Il te manque ? Non, mais je pense pas que moi non plus. On se manque pas, je pense pas. Arnaud Mella. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de valeurs communes, notamment sur l'engagement, sur le dépassement de soi. C'était un grand leader à Brive. Mon pire souvenir, c'est quand j'étais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire chez les Brivistes. En fait, on avait joué contre Clermont chez nous. Et c'était juste l'année avant que je vienne jouer à l'ASM. Et on avait pris 55 points. Donc là, ça avait été très, très, très compliqué. En plus, je savais que je partais, donc je voulais faire un gros match. Et ça avait été pire que tout. C'est au début que je suis arrivé à Brive. On en avait, quand je jouais à la H-Cup, on avait pris 50 et quelques points. Où c'est que tout le jeu Michelin, où je chantais le petit bonhomme en mousse. Donc c'est vrai que c'était très, très énervant sous les poteaux d'entendre ça. Et c'est vrai que ça reste des mauvais souvenirs. 23-19 pour Brive. Victoire de l'ASM, 2-3 points.